from Gangnam Style. Gangnam Style. Et oui, nous sommes ici en Corée du Sud, bien sûr, je le précise, et c'est dans une ambiance très festive, très Noël, que va se disputer le Grand Prix de Séoul, l'équivalent du prix de l'Arc de Triomphe ici en Corée du Sud, qui, bien que méconnu, possède une industrie des courses extrêmement puissante, plus de 350 000 euros au vainqueur de cette épreuve. Allez, c'est parti pour le Grand Prix de Séoul. Let's run. 내일의 꿈을 향해 Let's run 행복의 꿈을 향해 Let's run together 소원을 말해봐 우리 함께 달리자 Let's run far. Bienvenue dans le cœur de l'hippodrome de Séoul, de Let's Run Park. C'est en fait au sous-sol que toutes les enceintes professionnelles sont rassemblées. Allez, petite visite. Frenchy, oui. Le vestiaire des jockeys ici, tout est très soigné. Ici en Corée, on se croirait dans un hôtel de luxe, c'est un 4 étoiles. Notre jockey a tout bien nettoyé, tout bien récuré. Et nous sommes ici devant le dressing. Il y a encore plus de costumes que dans celui de ma femme. Le salon des entraîneurs, bien chauffé, hein, mais dont ils ne sortent pas de la journée. Pas de plaque de plomb, hein. Les tapis de plomb en fait sont déjà prêts, fabriqués avec des poids déjà prévus. Allez, 4,5 kg parce que je suis très léger, donc... Faut que je prenne ça. Et les chevaux, bien sûr, les chevaux, enfin. Ici, les conditions climatiques sont extrêmes dans ce pays. Hein. Très froid l'hiver, mais extrêmement chaud aussi l'été. Donc, tout se fait en intérieur sous la protection des climatiseurs. Et les chevaux sont là en train de se préparer pour les rondes de présentation, bien entendu, dans l'ordre du programme. Tout est impressionnant, très impressionnant ici en Corée du Sud. Les moyens techniques et financiers sont gigantesques. Le seul truc qui manque, c'est la qualité des chevaux, hein, qui est assez médiocre, c'est vrai. Mais bon, ça fait que 25 ans qu'ils ont commencé l'élevage de pur sang, hein, contrairement à 4 siècles en Europe. Donc, faut leur laisser un petit peu de temps. Enfin arrivé l'heure du Grand Prix, le 3 Power Blade, c'est à l'outsider, mais le favori c'est lui, c'est le 5 Triple Knight, il est monté par Seo Song Hong, je ne sais pas si la prononciation est bonne, tant qu'au 3 Power Blade c'était Kim Yong Gon. Et nous allons, pour en savoir un peu plus sur cette course, rencontrer Batman, et oui c'est le vrai Batman coréen, c'est en fait le directeur du département international de son fondant Seungo. Ce Seungo, on va demander un peu ce que ça représente ici à cette épreuve. So what is the prestige, can you explain us the prestige of this Grand Prix here in Korea? So Grand Prix race, we have hosted... Aujourd'hui c'est la 35e édition de notre Grand Prix. C'est l'occasion unique de rassembler une fois dans l'année tous les meilleurs chevaux de Corée. En plus, avant les engagements des chevaux par leur entourage, ce qu'il faut savoir, c'est que nous organisons un grand vote du public. Oui, tous les fans choisissent eux-mêmes les chevaux qu'ils souhaitent voir participer. Donc, au-delà même du niveau sportif et de la location, c'est cet aspect populaire qui rend l'épreuve particulièrement importante. De plus, le Grand Prix se dispute à la mi-décembre et c'est le dernier groupe 1 de l'année. Ensuite, certains de nos meilleurs chevaux pourront aller se confronter à l'élite internationale lors du meeting de Dubaï. Et pour nous, cela compte beaucoup. Voilà pourquoi les enjeux sont si élevés aujourd'hui. Le grand favori Triple Nine, proposé à 1,5 contre 1 en casaque verte, part bien et il est caché par son jockey dans le dos des leaders avec son numéro 5. La distance de 2300 mètres est la plus longue de l'année en Corée, alors il faut patienter, surtout sur une piste en 5. À l'entrée de la ligne d'en face, il galope librement en 5e position, juste derrière son rival Power Blade, le numéro 3. Mais il a du mal à réagir à l'accélération du numéro 16, Clean Up Joy, en casaque jaune, habilement monté par Ham Wan Sik.
Finalement, Triple Nine, suivi de Powerblade, refera du terrain, mais pas assez, sur ce Clean Up Joy, un 5 ans parti au bon moment. Né aux États-Unis, neveu d'un cheval millionnaire en dollars, mais fils du très décevant Pearl. Il comptait tout de même 10 succès pour 20 sorties. Je savais que Clean Up Joy avait 100% de réussite lorsqu'il pouvait aller devant. Mon objectif était donc de partir en tête pour pouvoir contrôler le train assez rapidement. C'est ce qui s'est passé, j'ai pu me placer où je voulais dès le premier tournant et alors j'ai senti que je pouvais gagner. Ensuite, j'ai accéléré progressivement et mon cheval s'est montré très courageux toute la ligne droite. Ah, on peut vraiment lui faire confiance. Et alors maintenant, l'entraîneur donc, c'est une énorme victoire pour lui. Qu'est-ce que ça représente pour lui de gagner cette très, très, très grande course, ce Grand Prix? C'est tellement extraordinaire de gagner une course aussi importante devant tout ce public. Franchement, je ne croyais pas qu'un tel bonheur pouvait m'arriver dans la vie. C'est ainsi que se termine ce Grand Prix de Corée qui s'est disputé en 2016 pour sa 35e édition. La Corée, on va en reparler car la Corée désormais organise un Grand Prix international au mois de septembre avec, pour 2017, très probablement, des chevaux français. La Corée, un grand pays de découverte. 당신의 소원을 말해주세요. 레트론 파크가 이루어진대요. 어마어마한 경품도 준다고 하니까요. 지금 바로 클릭하고 참여하세요.